fait. J'y suis pas allé. Non, non, j'y suis pas allé. Je leur ai dit, vous pouvez m'amener, prenez-moi de force, amenez-moi un camion, amenez-moi, mais moi, j'y vais pas à l'asile des fous. Pourquoi de mon plein gré, je vais aller à l'asile des fous? Elle est bien bonne, celle-là. Alors, ils m'ont dit, parce que là-bas, ils vont vous ausculter, les psychiatres. Ils vont voir si vous êtes fou, en vrai ou en faux. Et moi, je sais que c'est des combines. Hein. Ils envoient les gens là-bas pour se débarrasser d'eux. Et ils vous trouvent un prétexte. Comme à l'armée, quand ils m'ont trouvé un prétexte. Que j'étais fou. Parce qu'à l'armée aussi, ils m'ont dit que j'étais fou. D'ailleurs, ils ne m'ont pas voulu pour ça, parce que j'étais fou. Mais dans le civil, c'est pas l'armée quand même. À l'armée, d'accord, on peut être fou. Mais dans le civil, il n'y a pas de raison qu'on soit fou. Enfin bref, je les ai laissés, je ne suis plus allé, je ne suis plus allé les voir. Et maintenant, ils me rappellent. Ils me rappellent, ils me disent que le Covid, ça fait 2 ans, maintenant on va vous contrôler. Alors je leur ai dit, tout ce que je fais, voilà, je fais des films. Je ne leur ai pas dit que j'avais acheté ça pour jouer de l'accordéon, parce que ça, c'est en plus. Là, ils m'auraient dit que j'étais vraiment fou. À 60 ans, démarrer une carrière de musicien, pour être un peu toqué, ça, je le comprends. Je le comprends aisément. Mais enfin, aidez-moi. Moi, je ne sais pas quoi faire. Hein. En tout cas, je vous présente Philippe Boss. Qui c'est? C'est moi. Bon, enfin. Aïe, 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 pauvre France. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, moi, j'essaye de réfléchir, mais comment ça se fait que personne veut m'embaucher? Une seule fois. Alors, j'ai trouvé du travail. Et pour de bon, hein, j'ai trouvé du travail. Mais c'était du boulot. Comment je peux dire? Que personne ne peut le faire, parce que c'est tellement pénible, il faut soulever des sacs, des trucs, c'est des boulots de force herculéenne, qu'au bout d'une semaine, vous êtes rétamé. Moi, j'ai fait un jour, j'étais rétamé, j'ai pas pu me lever pendant 3 jours. Pendant 3 jours, j'ai dormi après ça. Je leur ai dit, mais monsieur, c'est trop pénible ce que vous me demandez. Et c'est comme quand vous regardez un match à la télévision. Les jeunes, là, de 20 ans, les Mbappé, tout ça, ils cavalent, ce sont des jeunes. Mais moi, à 60 ans, je peux rivaliser, moi, avec des jeunes comme ça? C'est impossible. Ils me mettent avec des jeunes de 20 ans qui, eux, ils ont pleine forme, qui cassent la baraque, vous voyez, ils me disent, allez, vas-y, suis le rythme. Et je le suis pendant une journée, ça va, je le suis pendant une journée. Mais après, il me faut 7 jours, 8 jours pour me rétablir, oh. Et ça, ils ne comprennent pas. Moi, je leur ai dit, trouvez-moi un travail dans ma branche. Moi, je suis comédien, metteur en scène, je fais des films. Bon, finalement, je ne les ai pas écoutés, j'ai créé ma propre entreprise. Voilà, je suis libéral dans l'enseignement culturel et je donne des cours d'enseignement culturel. C'est ce qui fait Philou Dingo. Philou Dingo, c'est le professeur d'art dramatique. Et moi, je suis Philippe Boss. C'est-à-dire que je me transforme, puisque je suis comédien, je peux jouer plusieurs personnages. Quelquefois, je suis Philou Dingo, quelquefois, je suis Philippe Boss. Vous voyez? Je ne suis pas fou, quand même. C'est logique, tout ce que je dis. Bon. Enfin, ça me coûte des sous, quand même, oh, tout ça. Le travail et tout que je fournis, là. J'ai quand même investi plus de 4 000, 5 000 euros en matériel, vous voyez? Si j'étais fou, est-ce que j'aurais investi tant d'argent? Ça va être comique, finalement. Bon, enfin. Alors, aujourd'hui, je vous parle de Philippe Boss. Philippe Boss, c'est cet énergumène, comment on peut dire. Mais il a une capacité
extraordinaire de fabriquer des films d'entreprise pour les entreprises qui veulent présenter leur entreprise, qui veulent se faire connaître, vous voyez, sur le marché, tout ça. Il faut appel à moi. Et après ça, c'est le succès garanti. Je crois qu'ils vont pas venir. Mais enfin, on rigole. Il faut rigoler dans la vie. Pourquoi on rigolerait pas? C'est interdit de rigoler. Moi, je crois que rire, c'est la santé. C'est la santé. Ils ont raison de rire. Et pourquoi je rigolerais pas? J'ai toujours fait ça dans ma vie. J'ai toujours rigolé. Ma première blague, je me rappelle, à l'école, la maîtresse, elle avait demandé... Qui c'est qui peut... Combien, vous êtes un vendeur, vous vendez des fleurs sur un marché, et quand on vous demande combien de fleurs vous voulez, vous demandez au client combien de fleurs vous voulez, une douzaine, une vingtaine, une trentaine. Et vous, comment vous... Et vous, alors, dites-moi combien de fleurs vous voulez. Et moi, j'avais dit 2 kilos. Et je m'étais pas rendu compte que les fleurs, ça se pesait pas. Bon, enfin, ça fait rire que moi, j'ai compris. Ah, j'avais 8 ans, 10 ans. Je savais pas, moi. Et voilà, ma vie, c'est ça. J'ai jamais su dans la vie. Mais enfin... Quand même, aujourd'hui, je vous présente l'entreprise Philibos. Philibos, c'est une espèce de comédien, metteur en scène, réalisateur, producteur et aussi scénariste, évidemment, et qui va vous trouver des idées pour faire des films et que ce soit un film inoubliable pour le public. Vous voyez, j'ai quand même des qualités. Si j'avais pas de qualités, je pourrais pas me lancer là-dedans. Alors c'est ambitieux, c'est très ambitieux. Mais je pense vraiment que... ouais, je pense que je suis apte à satisfaire. Voilà, c'est pour ça que je me suis mis à la musique. J'espère que la présentation de l'entreprise Philibos Filmmaker Production a été intéressante pour vous. Et si vous voulez travailler avec moi, appelez-moi, hein. Appelez-moi, on rigole. Non, mais on rigole, mais c'est sérieux. C'est sérieux. J'ai quand même 30 ans d'expérience dans la comédie. Plus, j'ai commencé... Après l'université, ouais, parce que là aussi ils m'ont jeté. De partout j'ai été jeté. De partout. C'est pas grave. C'est pour ça que je m'embauche moi-même. Maintenant, comme ça, je suis sûr que personne ne peut me mettre à la porte. C'est moi le patron. Voilà. Merci. Au revoir.